Bonjour Laurent, il va falloir être fort mon petit Guillaume. Bah pourquoi? Parce que le multitop c'est fini pour toi Laurent. Bah comment ça, bah pourquoi? Maintenant c'est nous qui le présentons. Bah d'accord, mais vous c'est qui? Moi c'est Yves. Et moi c'est Hervé. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne année 93. Je dois vous dire, tout à fait entre nous, qu'elle démarre très très bien pour moi parce que je suis mais vraiment très 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 ému et content d'être ici avec vous. Voilà, vous allez bien? Bonjour tout le monde. Bonjour. Hop là, nous voilà. Salut, c'est Larou. Salut. Je peux vous faire la bise? Bon, pour la première. Ah, je peux te faire la bise? Bon, ça va, ça va, Nick? Ça te plaît? Ça me plaît. Flashback, nouvelle version, seconde génération. Comme d'habitude, au programme de cette émission, du rythme, des décibels, des scopitones à l'appel. Vous avez un avantage sur moi. Vous connaissez déjà la formule. Moi, pas très bien encore. Mais pas de panique, on va s'y mettre ensemble. Ça vient de sortir en France, ça existe déjà depuis 2 ans en Grande-Bretagne, ça s'appelle le Soccer Ball, où c'est un succès fou d'ailleurs. Et alors ça se présente de la façon suivante. Alors, oula, oula. Café. Merci, non, ça va. Je pensais à un truc, là. Martin, quand il s'était cassé, que tout le monde croyait que... Tu te souviens? Tout le monde croyait que c'était pour de vrai. N'empêche, je vais dire un truc, on a hyper bien bouffé en termes de Martin. Ah oui, il y avait un saucisson de lion formidable. N'empêche que j'ai vu l'école des fans la semaine dernière, ils s'en tirent très bien, Arthur. C'est bien ce qu'il fait. Oh putain. C'est bien, il est gentil avec les mômes, si, si, c'est bien. Je trouve que c'est un concept, tu vois, qui tient bien mieux le coup que double jeu. Je ne peux rien dire, les gosses, ils mettent pas 10 points, ils mettent 10%. Hein. Ça fait vraiment très très plaisir de vous avoir tous auprès de moi aujourd'hui. Parce qu'il m'est souvent difficile d'entendre ou de lire ce que des gens pas très gentils écrivent ou disent. Et quoi qu'en pensent les méchants et les jaloux, je sais que grâce à vous, j'ai des millions d'amis. Et je vous dis merci. Hi. I'm Madonna. Je me sépare jamais de ma carriole. C'est mon gagne-pain. Ici, mon activité principale, c'est donner un coup de main aux camions qui tombent en panne sur la linéa. Les surveiller à cause des voleurs. Ou bien alors chercher une pièce de rechange avec mon chariot. Tous les jours, je joue ma vie sur cette carriole. Une faute d'inattention, je peux me retrouver sous les roues d'un 40 tonnes ou d'un bus. Je peux y laisser un pied, la tête, ou alors prendre un passeport pour l'éternité. Tu vois, mon frère, sur la linéa, on risque sa vie tout le temps. Chaque erreur peut être fatale. Habitez où maintenant, dans Paris ou à la campagne? Ben oui, je suis, la police. Je suis de la police. J'aime pas que les mecs me posent des questions comme ça. Vous n'aimez pas les journalistes en général ou c'est... Non, je fais pas de généralité. C'est comme si tu me disais j'aime pas les artistes. Ouais. On va se tutoyer alors par exemple? Non, par exemple, moi tu peux me tutoyer, moi je te vous vois. Bon d'accord, alors je vais vous dire, alors est-ce que Jacques Higelin, il aime bien son nouveau spectacle? Tu peux apprendre depuis le début. Bonjour. Bonjour. Bah il te... Qu'est-ce qui s'est passé? Vite, vite, elle a mal. Faut faire vite, là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. C'est mon œil, merde. Tu l'as pris, hein? Non. Le chemisier est taché encore. Non, j'ai pas beaucoup marché. Regarde, regarde. On l'a fait exprès. 40 journalistes français, ce qui se justifie compte tenu de la présence... Attention! Mais il tire sur les oiseaux. Génial pour la télé.